bénissons Dieu, nous bénissons ton amour, nous t'acclamons ta présence, toi qui mérites d'être acclamé. Merci Seigneur, gloire à ton nom, merci pour ton amour, alléluia, merci parce que tu es Dieu, nul n'est comparable à toi. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, alléluia, Jésus ne change pas, il est le même, il est toujours le même, oh Jésus-Christ ne change pas, Jésus ne change pas, alléluia, Jésus ne change pas, il est le même, il est toujours le même, oh. Yosa monene, Yosa.
Nazalia, yo. Tu réalises que tu appartiens à Dieu. Dis-le de toutes tes forces. Nazalia, yo. Sala lo lengena. Nazalia, yo. Yesu. Naza, 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 nazalia, atako balukingai, eyana butu, eyana moi, nalako bangelo kote, Yesue, nazalia yo, atako balukingai, atako Nos vies sont cachées en Christ et Christ en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous t'acclamons. C'est la raison pour laquelle nous réalisons que nous t'appartenons. Nous t'acclamons, nous acclamons l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur avec des cris de joie? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à tes côtés, j'appartiens à Jésus? Tu peux m'aider à dire à celui qui est à tes côtés, j'appartiens à Jésus. Dis-lui, nous appartenons à Jésus. Non, dis-lui. Merci les chanteurs, merci. Est-ce que tu peux lui dire, dis-lui bien. Non, il n'a pas bien entendu, dis-lui bien. Est-ce que tu peux te déplacer pour dire à quelqu'un d'autre, j'appartiens à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, tu vas maintenant parler à ton âme. Parle à toi-même. David a dit, pourquoi t'as battu au don de moi? Espère en l'Éternel. J'aimerais que tu parles à toi-même. Prends ton propre prénom, parle. Je dis, Sony, j'appartiens à Dieu. Apprends, tu es un esprit dans un corps. Allez, parle à ton corps que tu appartiens. Qu'il reconnaisse que tu appartiens à Dieu. Parle à Dieu, parle à ton corps. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes debout, nous pouvons prendre la parole de la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Nous allons lire trois textes ce matin. Amen. Nous commençons dans le livre de Genèse, le commencement. Genèse chapitre 4. Verset 9. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? L'Éternel Dieu dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Amen. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 28, verset, à partir de verset 16. La Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, lui parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et le dernier texte que nous allons lire, Jean chapitre 17, verset 12. Jean chapitre 17. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures fussent accomplies. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pendant qu'on peut nous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Qui est là, qui est heureux d'être là ce matin? Est-ce qu'on est heureux? Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin et de parler encore de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait. On ne le mérite pas. Ce n'est pas qu'on est meilleur, c'est juste une grâce que Dieu nous a accordée pour enseigner encore sa parole ce matin. Amen. Alors, nous sommes en train de poursuivre sur notre enseignement sur... Allons-y sur notre série de TPE. Pendant toute la semaine, depuis le 4, nous sommes en train d'enseigner sur l'évangélisation, sur le discipulat et sur la mission. Et ce matin, j'aimerais plus parler de travail qu'on peut faire après l'évangélisation. Expliquer certaines bases, certains nombres de choses et dans lesquelles Dieu aimerait nous voir. Amen. Et sûrement, il y a des grandes choses que nous voulons découvrir ensemble ce matin. Mon thème, c'est deux principes pour prendre soin de nouveaux convertis, car nous rendrons compte à Dieu. Deux principes pour prendre soin des nouveaux convertis, car nous rendrons compte à Dieu. Alléluia. C'est l'enseignement que nous voulons partager, le thème. Si vous voulez un sous-thème, le grand thème, nous avons que c'est allons-y. Mais nous voulons parler sur prendre soin des nouvelles âmes, des nouvelles personnes. Nous voyons ici, dans le livre de Jean, chapitre 17, dans le dernier livre que nous avons lu, nous remarquons que ici, Jésus était en train de rendre compte. C'était une prière qu'il faisait, qu'on appelle la prière sacerdotale. Et il rendait compte à Dieu. Jésus était en train de rendre compte. Lui qui est venu sur la terre, il a accompli beaucoup de choses. Et il a fait des miracles. Et la Bible dit, il faisait toutes choses par la puissance de son Père. Et la Bible dit qu'il dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Mais il est arrivé un moment où dans Jean 17, Jésus s'est mis à rendre compte à Dieu. Il commence à rendre compte. Il dit, lorsque j'étais dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Il a parlé de trois principes indispensables dans la prise ou dans l'action, dans les trois cordes pour garder ou prendre soin des âmes que Dieu mettra autour de nous. Il parle de trois choses, de trois fils. On peut parler de trois aspects. Premièrement, il les a gardés au nom de l'Éternel, de Dieu qui les a donnés. Et trois, personne n'était perdu. Donc les trois fils, les trois choses à garder, à maintenir lorsque nous voulons gagner ou gérer les âmes. La Bible dit, Jésus dit que Père, tout ce que je les ai gardés en ton nom, nous ne gardons pas les âmes en notre nom non plus, ni au nom du persien, mais nous avons le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom qui nous a été confié, c'est le nom de Jésus. Et Jésus a dit que Père, nul ne vient à moi tant que le Père l'attire. Plusieurs personnes viennent à nous parce que Dieu les a attirés. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que nous parlons bien, ce n'est pas parce que nous prêchons bien, ce n'est pas parce qu'on fait des miracles, mais c'est parce que aussi Dieu les attire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit convaincra dans leur cœur le péché du jugement, lorsque nous nous mettons à prêcher, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs du péché du jugement et qui ramène les cœurs de fils vers le Père. Nous pouvons être surpris que Pierre prêche, mais c'est Dieu qui amène ses âmes auprès de Pierre. Et la preuve en est, Pierre, pendant qu'il a vu une vision, il a vu des animaux qu'il ne fallait pas, et lui, il a commencé à dire, je ne mangerai pas. Dieu lui a dit, comment ce que j'ai déclaré pur,
toi tu déclares impur. En réalité, c'est Dieu lui-même qui parle à Corneille et il envoie Corneille pour chercher Pierre. Dieu envoie toujours les gens auprès de nous. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu enverra des hommes, des femmes, nos proches, nos familles, nos amis, nos connaissances, même nos patrons, même dans le milieu d'entreprise, même un client, même quelqu'un, un passant qui passe. Dieu va envoyer. La Bible dit qu'il y avait un festin. Et le festin, il y avait un grand festin et il y avait plusieurs invités qui ont été invités. Mais les invités ne sont pas venus. Le maître de cérémonie a dit, allez-y dans les carrefours, allez-y dans les endroits, prenez-moi des gens, amenez-les. Et les gars sont partis dans les carrefours, ils ont pris des choses qui n'avaient ni valeur, ni ils n'étaient pas invités, ils n'étaient pas conviés, ils étaient mal habillés. Ce n'était pas la tenue qui était importante, mais à l'instant T, c'était juste les personnes que Dieu avait besoin. Donc le Père dans le ciel a envoyé le Fils. Jésus est venu sur la terre et il accomplit la mission de Père. Tout, toi et moi, nous allons accomplir. Nous devons savoir que nous avons une mission et nous rendrons compte à Dieu. Mais souvent, nous raisonnons, nous manifestons deux réponses. C'est la même chose que Dieu nous dit ce matin. La Bible dit qu'il a demandé à Caïn, qui était le premier-né de la famille d'Adam et Ève. C'est-à-dire, Caïn, c'était la première personne qui est née avant Abel. Donc, si on peut voir, Adam et Ève ont vu la première personne de leur reproduction, c'est Caïn. Mais après Caïn, il y a eu leur petit frère qu'on appelle Abel. Donc, Abel est venu trouver Caïn et Adam et Ève. Donc, il est venu trouver des hommes déjà. Si nous prenons cet exemple, nous allons nous rendre compte que plusieurs parmi nous ici, nous sommes les Caïn. Pour ne pas dire l'image, je suis peut-être Adam. Je suis Adam dans l'église, dans la vision de Sémélène, en tant que qualité d'Adam. Et je suis en train de donner naissance. Mais il y a certains qui étaient là dès le départ. Il y a certains qui arrivent aussi de suite. Il y a d'autres qui sont déjà là peut-être il y a 3 ans, 4 ans. Et il y a d'autres qui sont là il y a une année. Il y a d'autres qui sont là une semaine. Il y a d'autres qui viennent même ce matin. Et je parle à quelqu'un. Donc en réalité, nous avons Caïn, mais nous avons ceux qui viennent après, qu'on appellera des Abel. Mais Dieu vient poser la question à Caïn. Il dit, où est ton frère? Nous donnons souvent deux excuses quand Dieu nous demande, où sont les frères qui sont avec nous, qui étant avec nous? Où sont les frères et les sœurs qui étaient là avant le confinement? Où sont les frères et les sœurs qui sont venus après toi? Parce que Dieu ne te demandera pas les frères qui étaient avant toi. Dieu te demandera toujours ceux qui sont venus après toi. Parce que ceux qui sont venus après toi sont sous ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne te demandera jamais les comptes de ceux qui sont venus avant toi. C'est pour ça que Jésus n'a pas rendu compte de Moïse. Il n'a pas rendu compte de Élie. Il n'a pas rendu compte de ceux qui sont venus avant lui. Il a dit, eux ils ont fait, Moïse a parlé, mais je vous dis ceci. Il n'a pas rendu compte de ces gars, mais il a rendu compte de ceux qui étaient avec lui. Donc en réalité, ceux qui sont nés par son ministère, qui sont des Abel. Mais souvent nous donnons deux réponses. Un, je ne sais pas. Deux, je ne suis pas le gardien de mon frère. Si je pose une question à quelqu'un ce matin, connais-tu la sœur qui venait là et s'habillait en rouge, noir, elle était toujours assise là-bas? Plusieurs me diront, je ne la connais pas. On est dans l'église, on est dans la famille. Je ne sais pas. Où est-il? Je ne sais pas. Ça identifie pas mal de problèmes. La réponse, je ne sais pas, identifie trois choses. La première des choses quand on dit je ne sais pas, un, c'est un mépris. Deux, ce manque d'intéressement. Trois, il n'y a pas de relation. Parce que je ne connais pas la personne qui est avec moi. Je ne sais pas. Deux, il donne une deuxième réponse en disant, suis-je le gardien de ma sœur? En réalité, Abel, Caïn reconnaît, si je ne sais pas, mais j'avais une mission à faire, mais je ne l'ai pas fait. Il commence à dire, suis-je le gardien de mon frère?
En fait, là où il parle, là-bas, moi, je l'accompagne. Nombreux, nous sommes ici. Et dans plusieurs chrétiens qui nous suivent, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est des hommes et des femmes qui disent, je ne sais pas, je ne suis pas le gardien de mon frère et de ma soeur. Pourquoi? Elle a fait ses histoires, c'est son problème. Et c'est cette réaction qui se passe aujourd'hui dans les églises. Ces deux réponses et qui viennent détruire l'église. Et qui permet que nous ne puissions pas prendre soin des nouvelles personnes qui arrivent. Et ce qui permet qu'il n'y ait pas une croissance des gens dans le sens de maturité, mais qu'on ait plus des gens qui n'arrivent pas à grandir dans la parole de Dieu. Parce que pourquoi? On se désengage dans la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, si Dieu vient parler aux Caïens que nous sommes, toi et moi, parce que nous avons une responsabilité, nous rendrons compte à Dieu. Dieu n'a pas posé, pourquoi Dieu n'a pas posé la question à Adam et Ève? Mais il a posé la question à Caïen. Parce que Caïen était l'aîné. Il avait pour rôle de prendre soin. Frères et sœurs, ici rassemblés, nous avons une responsabilité. Un, individuel, chacun de nous rendra compte à tout ce que Dieu a placé autour de lui. Nous rendrons compte pour nos femmes, notre femme plutôt, pas nos femmes, je ne crois pas à la polygamie. Nous rendrons compte à notre femme, nous rendrons compte pour nos enfants, nous rendrons compte pour des frères et des sœurs qui viennent à l'église, des nouvelles âmes. Et aussi, ça c'est individuellement, mais collectivement, en tant qu'église, Saint-Mélène, église mère, nous allons rendre compte à Dieu des âmes qui viennent et qui partent, qui meurent. Et je parle à quelqu'un. Nous rendrons compte à Dieu. Alors, pourquoi nous rendrons compte à Dieu? Parce que Dieu nous a légué une responsabilité. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis responsable. Ah, il y a d'autres qui disent, attends quoi? Non, en tant qu'église, nous avons une responsabilité. Ce n'est pas seulement être appelé pasteur, ce n'est pas seulement être appelé ancien diacre, responsable d'église. Non, nous sommes responsables en tant qu'église, responsables du monde, responsables des païens, responsables de notre environnement. Même des autorités, nous sommes responsables. La Bible dit, Dieu ne frappe pas les autorités. Non, regardez. La Bible dit, mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, cherche sa fin, je pardonnerai son péché. Si le pays est malade, l'église est aussi responsable. Et je parle à quelqu'un. Si l'église, oh le monde, oh le pays est sous l'ampleur de la franc-maçonnerie, le monde est ténèbres, oui, parce que l'église aussi a abandonné son rôle. L'église qui devait être le conseiller ou les hommes de Dieu qui devraient être des conseillers des rois, parce que l'onction prophétique, la grâce que Dieu dépense à l'église, c'est que les rois venaient consulter les prophètes pour entendre Dieu. Mais aujourd'hui, ce sont des prophètes qui vont consulter les rois pour avoir l'argent. Comment es-tu prophète de Dieu? Et tu te fais vivre dans la complaisance, dans la corruption. Tu vends ton ministère pour l'argent. Non. Frères et sœurs, Jean-Baptiste n'a pas vendu son ministère pour l'argent. Il a dit au roi, tu es dans le péché, repends-toi. C'est ça le prophète. Le prophète, l'église qui symbolise la vision de Dieu, le de Dieu, l'église devait dire aux hommes et des femmes, peu importe l'autorité comme Nathan, il vient dire au roi, c'est vrai ce que tu dis, mais je connais qu'il y a quelqu'un qui a péché. Mais sagement, avec l'intelligence, avec une intelligence renouvelée. Le monde doit venir trouver des solutions à l'église et pas l'église trouver des solutions dans le monde. C'est la raison pour laquelle l'église a perdu sa valeur, a perdu sa puissance, a perdu son autorité, a perdu son influence. Pourquoi? Parce que l'église s'est rendue paresseuse et s'est rentrée dans la compromission. Ce n'est pas le thème de ce matin. Dis avec moi, j'ai une responsabilité. Alléluia. Alors, nous pouvons comprendre que chacun de nous ici présents, comme nous avons une responsabilité, pourquoi? Parce que Dieu a déversé en nous le Saint-Esprit. Qui a reçu le Saint-Esprit? Tout le monde. Le fait, le jour que tu as dit à Jésus, je t'accepte, Dieu fait quoi? Il prend l'Esprit qui était sur son Fils, il déverse en toi le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit venant sur toi amène des potentiels, à part ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit dépose en toi des potentiels. En réalité, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il fait de toi un petit apôtre.
toi la grâce qui est en Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Jésus. Il dit, il est mieux pour moi que je m'en aille pour que je vous envoie le Consolateur. Lui-même Jésus, il était qui? Il était apôtre, il était prophète, il était évangéliste, il était pasteur, il était docteur. Lui-même Jésus. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, il a fait pour les uns. Alors il a dégagé ces choses. Un homme peut être appelé apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mais en 30 ans, pour tous ceux qui reçoivent Jésus, Dieu a déposé à travers le Saint-Esprit la grâce de l'apostolique, le potentiel apostolique. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous avons pour mission de former d'autres disciples. Mais ça ne fait pas de nous apôtres, mais nous avons cette grâce au-dedans de nous. Deux, nous avons aussi le potentiel prophétique. C'est pour ça que la Bible dit, dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais ça ne fait pas de nous le prophète. Non, mais c'est juste nous pouvons prophétiser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne parle pas d'abord du don de la prophétie, mais je parle de la capacité. Car prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Tous, nous sommes appelés à être des évangélistes. Aller évangéliser, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Troisième des choses, quatrième des choses, tous nous sommes appelés des pasteurs. Parce que Dieu nous dit, tu es le gardien, tu dois prendre soin des autres. Et nous allons le voir. Et enfin, tous ici, nous devons être aptes à défendre ou enseigner la parole. Jésus dit aux disciples, allez faire de toutes les nations les disciples. Et après il dit quoi? Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que là quelqu'un me comprend? Donc, en quelque sorte, là où nous sommes assis ou assises, chacun de nous a ce potentiel en lui et il peut le manifester à n'importe quel moment par rapport aux circonstances. Mais ça ne fait pas de toi être un don d'homme comme je suis un ministère à part. Non. Mais tu as le potentiel de Dieu au-dedans de toi. Et qui peut permettre, pour un moment, l'esprit, tu peux prophétiser. Tu peux dire à quelqu'un, je vois quelque chose dans ta vie. C'est juste une grâce. Mais ça ne fait pas, on ne base pas le ministère sur un potentiel. On ne base pas le ministère sur un don. Parce que le don peut être le don de prophétie, mais le ministère, c'est toute une vie. Parce que le ministère incarne toute ta personnalité. Le don, c'est une manifestation d'une parcelle de le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Alors, tous ici, nous avons ce don ou sa grâce. Alors, en quelque sorte, Dieu veut faire de toi et de moi un petit pasteur. Dis avec moi un petit pasteur. C'est la raison pour laquelle les païens sont plus des prophètes pour toi parce que dès que tu te convertis, ils t'appellent pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dès qu'on se convertit, on vient, oh, le pasteur est venu. Si on ne t'appelle pas frère en Christ, on va t'appeler pasteur. Mais tu n'es pas pasteur. Non, mais en réalité, tu commences à manifester la grâce de Dieu au-dedans de ta vie. Et les gens voient. En fait, les païens, ils reconnaissent, mais ils se passent par la moquerie pour te faire passer un message qui est vrai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça, c'est important. Parfois, les païens nous aident à nous repositionner, dans l'appel de Dieu et dans l'exercice dans lequel Dieu veut faire avec nous. D'où Dieu nous appelle, il fait de nous tous ici en réalité, à l'exception de ceux qui sont venus aujourd'hui. Mais tous ceux qui sont déjà là, ici, s'il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui, c'est l'image d'Abel. Mais s'il y a quelqu'un qui était là avant, c'est l'image de Caïn. D'où Abel qui arrive, nous avons pour la responsabilité, comme dans une famille, un enfant qui vient de naître, les aînés ont pour la responsabilité d'enseigner la nouvelle personne. Ce qui est logique et naturel. Ou tu verras, papa pourrait dire, oh, mais toi je ne savais pas, tu ne peux pas dire à ton frère. C'est comme moi, il y a des moments, je blâme plus mon fils aîné pour lui dire, attends, toi tu observes tes petits frères faire tes choses. Pourquoi? En réalité, j'amène cette personne à une responsabilité pour lui dire, tu dois être le modèle de tes petits frères. Et je parle à quelqu'un. Ce qui est normal, et tout ce qui est normal et logique, c'est une portée spirituelle. Donc dans l'église, tous ici, oh, ce n'est pas une histoire de pasteur, lui sort d'un ancien, des responsables. Non, c'est l'histoire de tout le monde ici. Nous devons prendre soin des âmes.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Tous. Alors, quand on dit prendre soin des âmes, c'est disposer, un, du temps, deux, protéger la personne, trois, nourrir la personne. Parce que si je veux prendre soin, exemple, on dit, je suis en train de prendre soin de ma femme, ou je prends soin de quelqu'un, un, ça veut dire que je veux accorder du temps à la personne. Il faut que j'ai du temps avec la personne. Il faut que la personne m'entende. Il faut que la personne, que je développe quelque chose. Deux, je dois apprendre à protéger la personne. C'est ça, prendre soin. Je dois apprendre à protéger la personne. Trois, je dois apprendre à nourrir. C'est comme une relation amoureuse. Une relation amoureuse. Si un, il n'y a pas du temps. Deux, il n'y a pas un moment de protection. Trois, il n'y a pas ce qu'il faut apporter des ingrédients. Pour une relation amoureuse, elle mourra. Même les couples qui sont en ces lieux, s'il n'y a pas ces trois éléments, un, du temps d'être ensemble avec monsieur, madame, la distance, comme dans le monde on dit, la distance tue l'amour. Il faut qu'il y ait du temps. Deux, à part du temps, il faut apprendre à se protéger. Car l'expression de se protéger, c'est donner sa vie pour l'autre. Et enfin, troisième, il faut nourrir. Apporter quelque chose de nouveau, apporter de la nourriture, apporter des ingrédients, un petit mot, une petite phrase, quelque chose pour dire à ta femme, je t'aime, oh, tu es la plus belle. C'est, tu es en train de nourrir ta relation amoureuse. Venez au cours d'Éden. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, il faut venir à Éden. C'est là où tu vas découvrir des choses. Alléluia. Alors, dans ces trois choses, nous voulons dessiner ou tirer deux clés importantes qui vont nous permettre à prendre soin des nouvelles âmes. Je parlerai de deux clés aujourd'hui, de deux clés qui nous permettent de prendre soin des nouvelles âmes. Premièrement, la Bible dit, nous pouvons voir, un, c'est une instruction divine. Dis avec moi une instruction divine. Matthieu chapitre 28, verset 19. C'est une instruction divine. Prendre soin d'une âme est une instruction divine. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Prendre soin d'une âme, c'est une recommandation de Dieu. C'est une instruction divine où Dieu dit, prenez soin d'une âme. Souvent, nous commettons l'erreur, quand nous recevons, nous arrêtons souvent en disant, Jésus n'a pas dit, allez évangéliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas entendu ça, il n'a pas dit ça. Dans toute la parole de Dieu, il dit, allez annoncer la parole de Dieu, allez faites les disciples. Il n'a pas dit, allez évangéliser. J'aimerais élever l'équivoque, je ne vais pas décevoir quelqu'un, mais j'aimerais t'amener à une autre dimension. Parce que la dimension dans laquelle tu es assise ou assis, tu te dis juste, je dois aller évangéliser, qui consiste à annoncer la parole. Notamment, tu joues le rôle d'un évangéliste propagateur. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Qui est le niveau basique? Qui est le niveau plus simple? Un évangéliste propagateur, c'est l'évangéliste comme l'image de ce que la Bible dit de la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, elle a écouté la parole de Dieu, elle a compris Jésus. La Bible dit, elle est repartie vers les siens. Elle dit, j'ai entendu parler de quelqu'un. Venez l'écouter. Ça, c'est un propagateur. Mais c'est un premier niveau basique de l'évangélisation. Mais Dieu ne veut pas que tu restes un évangéliste propagateur, mais que tu deviennes un évangéliste implantateur. C'est-à-dire, tu vas leur parler de Jésus, mais tu dois faire de ces personnes des disciples. Et je parle à quelqu'un. Souvent, Dieu ne nous attend pas seulement. Quand on dit à quelqu'un, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et je te donne ma vie. Amen, mon nom est écrit dans le livre de vie, pardonne mes péchés, amen. Pour toi, tu dis que c'est fini. C'est faux. Ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est encore le premier, c'est seulement le commencement. Ça veut dire que tu n'es pas encore disciple. Donc, le but, ce n'est pas seulement faire la prière d'acceptation de salut. Le but de Dieu, c'est que Dieu veut faire de nous des disciples. Alors, je vais te montrer la formule mathématiquement. Comment on parle la formule de faire des disciples? Être disciple. Le mot disciple, qui veut simplement dire un élève qui apprend. Or,
pour amener l'élève, il faut aller le chercher à la maison. Or, le mot disciple, qui veut te dire, égale à 1, évangélisation, plus quoi? Prendre soin. Je vais t'expliquer. L'évangélisation, quand on parle de l'évangélisation, c'est comme A plus B. Donc, si je prends les mathématiques, on aura exemple, disciple est égal à A plus B, entre parenthèses, plus prendre soin, qui veut dire berger. A plus B, c'est ce qu'on appelle évangélisation. Le mot A, qui veut simplement dire annoncer la parole. Quand je vais prêcher la parole, je vais dans les rues, dans les villages, peu importe, je parle à Jésus, oh, bien-aimé dans la foi, repentez-vous, dites, ah Seigneur, mais aujourd'hui j'accepte Jésus. Ça, c'est le A. Mais ce n'est pas seulement le A, parce qu'il faut ajouter le B pour que l'évangélisation soit complète. Quand on parle d'évangélisation, on parle d'accepter Jésus, mais on parle aussi du baptême. Il n'y a pas, Jésus a dit, allez, maintenant, baptisez-le au nom du Père. Pour avoir le salut, il faut accepter Jésus et être baptisé. C'est pour cela que le baptême n'est pas une question, oh non, je vais attendre, oh non, après. Non, c'est une question d'importance et une question de prime, d'importance vite. C'est-à-dire qui doit te préoccuper. C'est pour cela, dans Actes chapitre 8, la Bible nous parle de Philippe qui s'est retrouvé à la Samarie. Après, il marchait, il rencontre l'unique Éthiopien, le gouverneur. Il lui prêche la parole, mais pendant qu'il prêchait, il marchait. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, l'unique Éthiopien a vu l'eau. Il dit, pourquoi je ne peux pas être baptisé? Donc, le baptême, ce n'est pas d'abord quelque chose d'attendre. Bon, ah, j'ai accepté Jésus aujourd'hui, je vais attendre même 10 ans, après je vais prendre le baptême. Ce n'est pas ça. Parce qu'à l'instant, tu n'es pas complètement sauvé. Parce que si j'ai accepté Jésus, ça c'est mon alliance avec moi dans le secret. Mais Dieu veut, ce Dieu-là, il n'est pas seulement quelqu'un du secret. Il est aussi quelqu'un qui vient dans le public. Il veut que tu puisses témoigner ton amour que tu as mis dans le secret aussi en public. Qu'on appelle le baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement qu'on dit, qu'on prend de bonne conscience, on dit, ah, Seigneur, je t'ai accepté dans le privé, mais je vais rentrer dans le public maintenant. C'est comme une femme que je dis, oh, je t'aime, ah, ma chérie, ah, tu es belle, ah, ouais. Mais si je ne t'amène pas pour aller à l'état officiel, pour aller chez les parents, je ne t'aime pas. Je suis un escroc. Parce que ce que je te dis dans le privé doit arriver chez les parents. C'est la raison pour laquelle on peut s'embrasser devant les parents, il n'y a plus un péché. Dis-moi, amen. Alléluia. Et lorsqu'on quitte les parents, on va à l'état civil, on vous impose, montrez-nous ce que vous savez faire. Donc si tu n'arrives pas à le faire, tu es un escroc, tu es un bandit, tu es un braqueur. Alléluia. Tout le baptême marche avec l'acceptation de Jésus. Donc c'est la première partie d'évangélisation qu'on appelle A plus B. Maintenant, lorsqu'on a fait ça, A plus B, on est nouvellement dans la famille, il faut ajouter plus, prendre soin. Or, que prendre soin, c'est ce qu'on appelle le rôle d'un berger. Donc, tous ici, c'est pour cela que Dieu vient dire à Caïn, il n'a pas parlé à Adam, il n'a pas parlé à Ève. Dieu ne peut pas parler à l'église, au pasteur, pour dire, tu n'as pas pris soin. Lui, il a ce rôle de prendre soin collectivement, mais individuellement, toi, tu as amené quelqu'un, tu as évangélisé quelqu'un, quelqu'un vit avec toi et à bord de toi, tu es appelé à avoir la responsabilité en tant que berger pour sa vie. D'où, nous sommes tous ici des bergers, des petits bergers. C'est là où on pourra parler de disciples. On aura évangélisé, on aura mis le baptême et après on prend soin. Si on ne prend pas soin, la personne mourra. C'est comme un enfant, on donne plus l'attention à un enfant qui vient de naître maintenant qu'à un vieux gars. Si vous avez un bébé aujourd'hui, tu peux ou n'est pas dormir. Il faut que toute la nuit tu regardes, tu tournes. Des moments, je vois comment elle souffre. Parce que c'est nouveau. Il faut faire l'attention. On doit prendre soin. Alléluia. Parce que c'est une instruction de Dieu. Mais si nous, on n'obéit pas à l'instruction de Dieu, on passera à côté. En quelque sorte, Jésus voulait dire dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez, évangélisez et accompagnez les nouveaux convertis à aimer-les et rendez-les matures. Il y a 3 choses quand on prend soin de quelqu'un. Il doit se manifester 3 choses. Quand on prend soin de quelqu'un, 1, il faut l'accompagner, le nouveau converti,
La personne vient à l'église, on doit l'accompagner. On ne doit pas regarder la personne. On ne doit pas dire, bon, amekoum fassier. Non, non, non. On doit accompagner la personne. Alléluia. Pas seulement l'accompagner, nous devons les aimer. Jésus a dit à Pierre, même tu paies mes brebis. Nous devons apprendre à aimer les personnes qui arrivent dans l'église. Les nouvelles personnes, ce n'est pas une histoire de compétition. L'église n'est pas une histoire de compétition. Quelqu'un tu as amené aujourd'hui, demain même comme un ennemi. Ce n'est pas possible. Vous ne vous parlez même plus. On a depuis que vous êtes dans l'église, on n'a pas de place à nous. Il y a même comme un pasteur Angé aussi. Tu es égoïste, pécheur. Repentez-vous. Alléluia. Il ne doit pas y avoir une histoire de compétition dans l'église. Nous devons apprendre à aimer les frères et les sœurs qui sont autour de nous. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui va m'amener à me soucier que la personne ne demeure pas toujours une petite personne, mais que la personne monte dans une dimension de maturité. C'est alors, on pourra dire, qu'on accomplit un disciple. C'est là la mission de Dieu. D'où, toi et moi, nous avons un rôle à jouer qui est tellement important. Donc, nous devons former les disciples. Notre boulot, frères et sœurs, c'est de former les disciples. C'est une instruction de Dieu. C'est une instruction divine. Lorsqu'on désobéit à l'instruction de Dieu, quand il y a une instruction, tu n'accomplis pas l'instruction, tu passeras aux deuxième phase. Ce qu'on appelle la désobéissance. Est-ce que je parle avec vous? Et si il y a la désobéissance nous conduira à une troisième phase qu'on appelle le péché. Quatrième phase. Quand il y a le péché, le péché nous conduira à quoi? À la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est là. Cinquième phase. La mort nous conduira à quoi? À l'enfer. Être séparé totalement de Dieu. Frères et sœurs, si nous désobéissons à une instruction, même dans l'église, même dans le foyer, même dans la famille, même ici, le pasteur donne une instruction. Il dit, nous allons faire telle chose. Nous partons à droite. Et toi, tu désobéis à l'instruction. Tu rentres dans le monde de la désobéissance. Et pendant de la désobéissance, tu es en train de servir à Dieu. Tu viens à l'église, mais tu fais autre chose. Et Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Donc malgré tous tes sacrifices que tu fais là, en fait Dieu ne voit rien. Donc tu perds le temps. Après l'obéissance, tu es dans la désobéissance et tu rentreras dans ce qu'on appelle le péché. Nous avons défini le péché, c'est une puissance d'égarement qui conduit tout homme à l'échec. Automatiquement, le péché va t'égarer. Tu te retrouves seul dans ton environnement. Avec qui? Avec Satan. Satan, il aime la mort. Parce que c'est l'ange de la mort. Lui, il désire l'égard qui aime se révolter. Il mettra au-dedans de toi réellement ce désir de rester toujours incompris, incomplet, pour faire comme tu veux. Et la mort va t'amener à la malédiction. Parce qu'en réalité, tu ne bénéficieras plus de l'huile qui coulera sur la tête du pasteur. Parce que pourquoi? La Bible dit, Dieu dépose toujours l'huile sur la tête d'Aaron qui descend sur la barbe, sur les bords, jusqu'en bas. Or qu'en réalité, l'habit va suivre, l'onction va suivre ceux qui sont sous l'habit. Mais le fait que tu t'es décalé, l'onction ne sautera pas pour venir chez toi. Mais l'onction restera dans la lignée. Et ça, c'est ce qu'on appelle la longévité dans l'œuvre de Dieu. Là, je te donne un secret qui te permettra d'aller très loin avec Dieu. D'où, quand nous n'arrivons pas à prendre soin de ceux qui sont autour de nous, de ceux que Dieu a positionnés autour de nous, nous oublions la mission ou l'instruction de Dieu. Et nous sommes sous la malédiction. Frères et sœurs, j'aimerais réveiller notre intention, notre conscience, parce que Dieu veut accomplir des grandes choses avec toi et moi. Mais ce matin, les écailles sont en train de tomber afin que nous héritons la bénédiction que Dieu a prévue. Or, la bénédiction de Dieu est attachée à la gestion ou à la prise en charge des nouvelles âmes. On va voir. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quelqu'un me comprend ce matin? Alors dis à celui qui est à tes côtés, je veux obéir à l'instruction. On n'a pas le choix. Pour dire, oh pasteur, je ne veux pas, je ne fais pas, je ne fais pas. Non, tu obéis parce que c'est l'instruction. Or, dans l'instruction, il y a la bénédiction. Dieu n'a jamais donné aucune instruction dans la Bible qui n'est accompagnée d'une bénédiction.
Regardons Deutéronome 28. La Bible dit, si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions. Toutes les instructions de Dieu sont accompagnées d'une bénédiction. Quand Dieu donne une instruction, il met derrière l'instruction la bénédiction. C'est pour cela. À part une bénédiction spirituelle qui est réservée aux enfants de Dieu, même dans le monde dans lequel nous vivons, même les païens, quand ils obéissent aux instructions de Dieu, étant même satanistes, comme la bénédiction est liée à l'instruction, Dieu bénit. Je vais choquer quelqu'un. Un sorcier ou un féticheur, connaissant le principe exemple de la dîme ou des prémices, et il le met à se mettre en pratique, Dieu bénira sa vie, mais sa vie ne sera pas agréable devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veille sous sa parole pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, même si c'est un sorcier, même si c'est n'importe qui, il obéit à la loi de Dieu, Dieu bénira. Mais, par contre, dans l'excellence de Dieu, dans la présence de Dieu, sa vie n'est pas agréable. Mais le fait que Dieu a donné l'instruction et qu'il a obéi, gloire à Dieu. Mais sa vie, il ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Parce que l'instruction, c'est comme une parole qui voyage, qui va de endroits, qui part plusieurs endroits. Et pendant qu'il y a l'instruction qui voyage, la personne qui s'accroche à l'exécution, derrière, il y a une bénédiction qui griffe sa vie. C'est pour cela, frères et sœurs, ne discutez jamais avec Dieu. Obéissez à sa voix et vous serez surpris. Regardez. Ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait dire, mais on va revenir. La maison de Bel-Bed-Ogdom, qui était une maison païenne. Mais le fait que l'instruction que Moïse, suivant, qui avait reçu l'instruction du tabernacle? Moïse. Moïse a obéi à l'instruction, a bâti l'arche, a bâti quoi? Le tabernacle. Et eux, ils sont venus voler l'instruction. Ils ont amené chez eux, en étant païens, leur maison prospérée. Qu'est-ce qui a fait prospérer la maison? Ce n'est pas l'objectif parce qu'ils ont amené le truc. Non, en fait, ce qui a fait prospérer leur maison, c'est l'instruction que Dieu avait donnée à Moïse. Donc, l'instruction est toujours accompagnée d'une bénédiction. D'où, c'est pour cela que beaucoup de vies ne sont pas épanouies, ne voient pas la gloire de Dieu parce qu'ils ne s'attachent pas à l'instruction. On s'attache souvent à la bénédiction, mais la bénédiction est toujours accompagnée. Elle ne vient pas au début. La bénédiction vient après. C'est d'abord l'instruction, après la bénédiction. Amen. Donc, nous devons comprendre ces mêlées. Ce qui est important, nous avons pour responsabilité, c'est une instruction divine, nous rendrons compte à Dieu pour les âmes qui viennent à l'église. Premièrement, première clé. Deuxième clé, c'est une instruction, nous avons dit. Deuxième, c'est parce que nous rendrons compte à Dieu de la manière nous prenons soin des nouvelles âmes. Jésus a dit, Père, il commençait à rendre compte, je les ai gardés, personne ne s'est perdu. Nous rendrons compte à Dieu de la manière que nous rendrons compte des nouvelles âmes que Dieu nous a confiées. Nous avons dit au départ, Dieu nous a les confiées. Alors, ici, on va voir quelques principes qui sont importants plutôt de pouvoir prendre soin des nouvelles âmes. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je veux prendre soin des nouvelles âmes. Dis, c'est mon affaire. Alors, comme nous allons rendre compte à Dieu de la manière que nous gérons les nouvelles âmes, nous rendrons compte à Dieu. Aussi, nous rendrons compte de la manière que nous gérons nous-mêmes les uns les autres. De la manière aussi nous gérons notre pasteur. De la manière aussi nous gérons les hommes de Dieu. Nous rendrons compte à Dieu. Dieu te dira, bon, j'avais placé un pasteur, comment tu l'as géré? Il travaillait en gémissant. Il travaillait, il n'était pas en paix. Il était troublé. Il n'était pas à l'aise. La Bible dit, cela n'est pas une bénédiction pour toi. En réalité, il dit, si votre leader, votre responsable, travaillant avec un cœur, ça ne sera pas une bénédiction pour vous. En réalité, nous rendrons compte à Dieu de la manière nous gérons. Pas seulement d'abord les hommes de Dieu, votre pasteur, mais nous finalement, surtout des nouvelles âmes, dans lesquelles Dieu est beaucoup sensible.
rendra grand à Dieu. Regardez, il y a des choses, parfois on passe sur place, on regarde superficiellement et on ne bénéficie pas de la bénédiction de Dieu. Mais on rendra compte à Dieu. Parce que nous sommes des petits bergers. Alléluia. Alors, premièrement, quand on veut prendre soin, nous avons dit trois choses au départ. Prendre soin est égal à donner le temps, à protéger et à nourrir la personne. Le premier principe pour prendre soin des nouvelles personnes qui arrivent à l'église, il faut apprendre à prier pour eux. Moins de personnes prennent le temps de dire, Seigneur, aujourd'hui je vais prier pour les nouvelles âmes. Qui en a fait? Si je demande ce matin, depuis l'année passée jusqu'à maintenant, qui a prié pour les nouvelles âmes à l'église? Je pourrais peut-être voir deux doigts ou parfois rien. On prie pour nos besoins, on prie pour nos problèmes, on prie parce qu'on veut avoir l'argent, on veut voyager, on veut avoir un visa, on veut avoir des enfants, mais on oublie la clé. C'est les nouvelles âmes. Jésus a dit à Pierre quoi? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Priez pour les nouvelles âmes. Commence à combattre pour eux dans l'esprit. Sachez-le que chaque personne qui arrive à l'église, à soit, si elle est encore païen, il peut avoir au minimum un démon. Un païen, au minimum. Il n'y a pas zéro. Même on pourrait dire au minimum deux démons dans sa vie. Jésus a délivré une femme qui avait combien? Sept démons. Sept. Une personne. Il y a d'autres, on a délivré une légende. Le fou de Gadarat. Ils étaient une légende des démons. Légende. Ça fait combien? Toi-même va compter. Donc, une personne qui vient à l'église, une nouvelle âme qui intègre l'église, a des démons qui embêtent sa vie. D'où nous devons apprendre à prier pour cette personne. À combattre pour cette personne dans la prière. À prier pour les nouvelles âmes. À prier pour les nouvelles personnes qui fréquentent l'église. À prier pour les uns les autres. Alléluia. C'est lorsque nous allons apprendre à prier pour eux que Dieu se souviendra de nous. Deuxième, deux choses. Quand on prie pour eux, on apprend à les protéger. Un, combattre pour eux. Deux, protéger leur vie dans la prière. Vous savez, Jésus nous parle de parabole des quatre cœurs, des quatre terrains. La Bible dit que la semence tombait où? Sur le long du chemin. Et quoi? Qu'est-ce qui venait manger ça? Les oiseaux. Parfois, les personnes arrivent ici, reçoivent la parole, mais lorsqu'elles sortent, les oiseaux viennent enlever. Il y a d'autres, pendant qu'ils sont ici, pendant qu'ils écoutent la parole, quand ils sortent, les soucis du monde étouffent la parole. Il y a d'autres, des épines, des terres au creux. Donc, vous savez, les frères et sœurs, il y a tellement de circonstances, si toi et moi, on ne se met pas à prier pour eux, à les protéger. Deuxième principe. Être des bergers de nouvelles âmes. Dis avec moi, je dois être un berger de nouvelles âmes. Ok. Un berger manifeste cinq dimensions. Cinq. Cinq. Un berger. Nous devons être des nouvelles bergers. Premièrement, un berger, c'est un gardien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui surveille les nouvelles âmes. Qui veille. Qui surveille. C'est comme un gardien dans une maison. C'est quelqu'un qui est là, qui est payé pour mourir pour ceux qui dorment. Pendant que toi tu dors, lui il est dehors, il ne doit pas dormir. C'est ça un gardien. Quand il finit le matin, rien ne s'est passé, gloire à Dieu. Maintenant, s'il y a des intrus, c'est le gardien qui doit signaler, qui doit se battre, qui doit se défendre par nos gardiens que nous avons qui sont en complicité avec les braqueurs. Ce n'est pas cela que je parle. Je parle des véritables gardiens, comme des gardes-corps, qui sont prêts à mourir pour le président, à mourir pour leur chef, à mourir, ils sont prêts pour la patrie. C'est ça un gardien. Un gardien qui veille. Parce que le but, comme a fait la Bible, dit que David était le gardien. La Bible dit qu'il avait vu quoi? L'ours, le lion. Il a combattu pour protéger les brebis de son père. C'est là où Dieu a commencé à voir à David le cœur d'un berger. Je parle à quelqu'un. Alléluia.
deux, un berger, il n'est pas seulement gardien, il est celui qui montre le chemin. Une âme vient de se convertir maintenant, tu dois apprendre à montrer le chemin à cette âme. Quand on montre le chemin, on doit être un exemple, un modèle. Je viens de gagner quelqu'un au Seigneur et la personne que je gagne, moi-même je viens en retard. La personne commencera à venir en retard à l'église. Et je parle à quelqu'un. Nous devons être un modèle. Et même être un modèle, c'est une manière de servir Dieu. Être un modèle en parole, en conduite, en action. Parce que tu es en train de montrer le chemin à quelqu'un. C'est toi qui es en train de l'initier. Dans une entreprise, on dit si le chef est tomate pourrie, tout le monde est tomate pourrie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les autres seront influencés par la qualité de la vie qui est en train d'être manifestée par le chef. Donc vous, nous devons apprendre que le berger, c'est un modèle. Deux, le berger, c'est celui qui nourrit. Trois plutôt. Il nourrit le berger. Il nourrit le troupeau. Frères et sœurs, en tant que berger, nous avons le rôle de nourrir des nouvelles âmes dans l'église. Ce n'est pas seulement l'histoire du pasteur, mais c'est l'image aussi de toi et moi. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. 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 Quatrième rôle d'un berger, c'est celui qui surveille le troupeau. Dès qu'il voit un troupeau qui s'élargit, il le récupère, il le ramène dans la maison. Frères et sœurs, être surveillant, c'est aussi développer une relation avec la brebis. Connaître les âmes. Tu ne peux pas amener quelqu'un aujourd'hui, tu arrives à l'église, tu abandonnes, c'est fini. Oh non, c'est maintenant l'histoire de cours N1 du frère Erdi. Non, c'est son histoire. C'est faux, mon gars. C'est aussi ton histoire. Et je parle à quelqu'un. C'est notre histoire, à nous tous. En premier lieu, toi. Quatrième, cinquième, le berger doit avoir l'amour pour les brebis. C'est pour ça que Jésus disait à Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Si tu n'as pas l'amour des brebis, je ne peux pas paître le troupeau. Le berger doit paître les brebis. Donc nous devons être des bergers de nouvelles âmes. Quelqu'un qui vient à peine d'arriver à l'église, on doit l'amener dans l'intégration. Tu dois amener la personne. Tu viens avec un dimanche, tu prends la personne. Tu l'encourages à s'émêler. Le cours de N1 est obligatoire. Il vient dimanche, mardi tu l'accompagnes. Tu vas le prendre chez lui. Tu dis, on va au cours de N1. Tu dois commencer tes cours. Des cours des valeurs. Le CPN1. Parce que ici tu es en train de garantir. Ton but pour toi, c'est que tu aimes la personne. Tu veux le prendre, soit tu veux l'amener à la maturité. Ne soyons pas des femmes qui viennent au monde après qu'ils jettent les enfants dans les caniveaux. Vous êtes plusieurs comme ça. Nombre, il dit, Kentine, vraiment, il y a un doquin. Un bout de moi, il me vraiment, mon est même un maquin. Oui, physique, tu ne peux pas faire, mais spirituellement, tu le fais. Tu as prêché l'évangile à quelqu'un. Donc, ce n'est plus ton problème. Non. Tu es un faux berger. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous amener à vivre la bénédiction de Dieu en mettant en pratique les instructions de Dieu. Troisième principe, sûrement. Ne sois pas le journaliste de nouvelles âmes. Ne pas être un journaliste de nouvelles âmes. Aujourd'hui, beaucoup des âmes, des nouvelles personnes ont fui les églises, étant donné qu'ils sont encore des brebis faibles, parce qu'il y a tellement de journalistes à l'église. Vous savez, quel est le rôle d'un journaliste? Le journaliste, c'est celui qui rapporte beaucoup de reportages et il vient à la télévision, il vient parler. Lui, dès qu'il trouve un sujet, il doit faire de ça son problème. Et c'est ce que nous étions et que nous avons fait et que nous faisons. Nous sommes devenus des rapporteurs, des journalistes des nouvelles âmes. Dès que tu as mené quelqu'un, elle était peut-être en train de faire, il était peut-être quatre un bureau, elle faisait une vie bizarre, elle était en ville. Mais pour toi, tu connais, c'est ton problème. Garde ça dans ton cœur, un berger, c'est celui qui sait garder, c'est pour toi. Mais ce n'est pas que tu arrives à l'église, Geza Serine, Mango Samamele, Geza Viendien, Talangé Boma, Serine,
Tu commences à commencer à dire que la sœur là, elle est bizarre, c'est une prostituée, elle veut faire ceci, regarde sa vie. Oui, mais c'est un problème. La Bible dit, ne considérez pas les choses anciennes. Ne pensez plus parce que je vais faire une nouvelle chose. Elle est née de nouveau. Ça, c'est son passé. Dieu a fait grâce. Si un jour elle témoigne, gloire à Dieu. Mais ne sois pas le journaliste de la vie des autres. Tu prends les situations de X, tu vas raconter là-bas. Tu prends les situations de Y, tu vas raconter là-bas. Mais c'est une nouvelle âme qui vient à l'église, elle va fuir. Elle va dire, ça c'est quelle église où les gens racontent la vie des autres. C'est vrai que nous sommes dans la liberté. Il ne doit pas avoir des vies de privées. Oui, c'est vrai, c'est normal. Mais il y a des choses dans lesquelles il faut monter dans les dimensions. Elle est encore fragile. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux, même tu paie mes brebis, même tu paie mes brebis. Il a fait trois catégories des âmes. Il a parlé des agneaux qui sont plus faciles. Il a parlé des brebis qui sont moyennement. Il a parlé des vrais brebis qui peuvent supporter. Dans l'église, il y a des gens qui peuvent supporter des choses parce qu'elles sont déjà fortes, mûres. Mais il y a d'autres, dès qu'un petit truc, ils ne peuvent pas supporter. Mais il y a encore d'autres, dès qu'elles comme sont quand même fragiles, agneaux, fragiles, dès qu'elles entendent, ah, moi je ne veux plus prier. Je vais fuir l'église, je vais démissionner. L'âge de la personne ne fait pas qu'il est mûr spirituellement. Ne vous détrompez pas. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un avec des cheveux blancs ou bien une grosse ventre. Avec un gros ventre ou les cheveux blancs ou la tête comme ça. Ah, papa, il y a un clown, toi. Ah, mais tu ne sais pas. Dans l'esprit, c'est un enfant. Dès qu'il entend des choses comme ça, pour lui, c'est fini. Je ne viens plus à l'église. Après, tu dis... Elle m'a 50 ans, mais elle m'a être bébé. Dis avec moi, ça doit changer. Dis à ton frère, ne sois pas journaliste. Alléluia. On a trop de journalistes à l'église. Un problème, sujet de louange. Qu'est-ce que ça? Tu connais, on se lève le matin, directement à téléphone WhatsApp. Tac, 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 surtout WhatsApp. Ah, ma photo. Ah, même celui qui ne voulait pas pécher, tu lui fais partie dans ton péché. Après, il commence à pécher. Parce que quand tu rapportes, vous savez, les journalistes nous influencent. Dans l'Europe aujourd'hui, quand on parle de Covid-19, c'est vrai, ça tue les gens. Mais en réalité, il y a d'autres, ça ne tue pas les gens. Il y a d'autres, c'est les personnes qui tuent les gens. Mais quand tu vois un journaliste, il dit, il va te faire peur, frère. Savez, donc automatiquement, toi qui avais la foi, ta foi sera influencée parce que tu écoutes. Car la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu qui te donne la foi. Mais Satan t'influence ta foi. Alors arrêtons d'être des journalistes. Prenons soin des nouvelles âmes. Alléluia. Quatrième principe. S'intéresser dans la vie des autres. La manière, la qualité, c'est s'intéresser dans la vie des autres. Quand on parle de s'intéresser, on va parler de trois choses. Un, la personne qui s'intéresse à toi, c'est la personne qui t'aime. Vous qui ne vous intéressez pas à votre pasteur, vous ne m'aimez pas. Allah, tu dis pas amen. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on va s'intéresser à sa vie. Quand on aime quelqu'un, on va s'intéresser à voir, on s'intéresse à lui parce que l'amour me pousse à s'intéresser à lui. Frères et sœurs, Adam, quand il s'est réveillé, il n'a pas fait de prière. Il a ouvert les yeux et dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Il a regardé, il s'est intéressé. Il a fait les mimpaoula. Il a commencé à déclarer. Mimpaoula, il commence à dire des choses quoi. Il est ivre. Dès qu'il a regardé, hé hey, mon gars, l'os de mes os, la chair de ma chair, on ne l'appellera pas. Comme ça. Pourquoi? Parce qu'avant, Adam, de pouvoir voir Ève, il avait vu beaucoup des animaux. Il a vu des girafes, il a vu des tchoulas, il a vu des crapauds qui font... Il a vu des chimpanzés, je sors dans les arbres, manger les bananes. Il a vu tout le monde, il a dit, vous là, je ne m'intéresse même pas à vous. Mais dès qu'il a vu quelqu'un, dès qu'il a regardé l'œil de l'œil, il dit, voilà, c'est bon. C'est-à-dire, malgré les épreuves, il s'est intéressé et automatiquement, c'est ce qui crée la différence entre l'homme et la femme.
Alléluia. Et donc, quand on s'intéresse, on manifeste l'amour. Deux, quand on s'intéresse, on manifeste l'amour, l'amour va nous conduire à vivre la relation. Parce que je ne peux pas m'intéresser à quelqu'un et d'être loin avec la personne. Ce n'est pas possible. Quand tu t'intéresses à quelqu'un, tu le vois, ah, le frère là, il se voit bien. Tu feras le tout possible. Même si tu ne voulais pas lui dire bonjour, quand tu passes, bonjour frère. Après, bonjour sœur. Après, bonjour. Il y a quoi? Des bonjour, bonjour, ça crée quoi? Une relation. Mais on vient à l'église, on ne s'intéresse pas aux nouvelles âmes. Quelqu'un rentre ici, il sort, c'est comme si ça n'avait personne, incognito. Même le frère qui est à l'église, à côté de lui, s'assit, quand on voit les nouvelles âmes sont là, et elles vont s'élever là. La personne qui est là, 10 ans, il ne peut même pas dire bonjour. Ce n'est pas son problème. Tu as un problème. Tu dois te repentir et te convertir. Intéresse-toi à la personne. Qui sait? Tu as un problème de mariage. Peut-être, en s'intéressant, Dieu aussi t'envoie ta réponse. Le voisin. Demain aussi, tu es brutalement, tu vois, ah, tu sautes les soeurs, un frère qui arrive à l'église, il ne veut même pas s'intéresser. Qui t'a dit? Peut-être à l'instant que tu trouves qu'il n'y a rien, mais après 2 mois, c'est le gars que tu avais négligé qui dit, ma soeur, tu sais, j'ai vu des trucs, c'est pour lui. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous intéresser les uns les autres. L'intéressement va nous conduire à la relation. On doit être en relation. La relation ne nous garde pas quand on dit relation, c'est seulement des téléphones, c'est seulement bonjour à l'église. Ça permettra que tu ailles vers la nouvelle âme, connaître ses parents, connaître comment elle vit, connaître comment elle mange, comment. C'est la relation. Tu pourras savoir que la sœur, pendant qu'elle vient à l'église, elle est venue à pied. Vous savez qu'il y a des frères qui viennent ici, qui quittent très loin, qui quittent parfois Timbamouka, qui quittent parfois Luandini, Nguiku, à pied. Mais toi, tu viens souvent, Robobobo, Shamamama, Rekekekekekeka. C'est bien, tous ces trucs-là. Mais si tu ne changes pas le cœur dans la relation, tes Rekakakaba sera du bruit. Il faut que tes Rekakakaba soient puissantes par la relation et l'amour qui est dosé à l'intérieur. C'est pour cela que l'apôtre Paul pourrait dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit, si je prophétise, mais si je n'ai pas l'amour, c'est un bruit que je fais. Alléluia. La relation. Connaître sa famille. Ça permettra quand tu appelleras, si j'appelle la sœur Faïda, je dis, oh, la sœur Faïda, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Bah, dis-moi, la sœur Diane qui vit là-bas, comment ta voisine là, comment elle sent qu'elle est considérée, qu'elle est aimée. Elle sentira l'amour et dira, waouh, j'ai trouvé finalement une famille. C'est là, on retrouve, la Bible dit, quand nous disons plutôt ici en principe, Sémélène est une église où l'on retrouve l'amour et la présence de Dieu afin d'éclairer les nations. Quand tu auras la relation. Et la relation va nous amener à être porteurs des sujets des uns et des autres. C'est-à-dire, la relation va nous amener à un esprit de sacrifice et de communion fraternelle. Bien-aimés dans la foi, l'histoire avec Jésus, ce n'est pas seulement des remamakasa. C'est une histoire de relation et de dommages. Jésus a vu Zachée, il a dit à Zachée, dès qu'il le voit, il dit, oh mon gars, aujourd'hui, dans la Ndaronayo. Il dit à Zachée, aujourd'hui, je dormirai chez toi. Zachée dit, oh mon gars, viens. Et c'est à table, mon gars. Il commence à manger. Et c'est là où Jésus sort les rémas. Frères et sœurs, être à l'église ne permet pas que nous puissions prendre soin des âmes. Nous devons apprendre à connaître chez eux, manger ensemble, même si des tobambouri, on mange ensemble. Alléluia. Je me rappelle une fois, une soeur qui m'a invité chez elle, ils sont arrivés. On est arrivé, bon, il fallait prier, pas invité, mais je suis parti le suivi. J'arrive là, et eux chez eux, c'était pratiquement vers 11h. Ils m'ont regardé, on a prié, parlé. Après un moment, la soeur dit, ah, pasteur, mon frère, tu ne peux pas partir, je n'étais pas encore pasteur. Je dis, tu ne pars pas. Je dis, pourquoi? Elle a amené le poisson, le moustique a grillé. Elle a mis le poisson grillé. Je me dis, ah, là c'est bon. Elle met le foufou. Elle me dit, ah, bon, quand le foufou ça peut passer, c'est encore un peu chaud.
Et tout d'un coup, je vois à côté, quand ça venait comme ça là, je vois l'assiette, c'était les mangues qu'on a grillées comme ça là, je ne sais pas comment faire. Je dis, hé, hey! Après, j'ai dit que ça s'arrête là. Non, elle a amené les chenilles. Elle dit, je voulais prier en langue. Elle dit, Seigneur, je te rends grâce. Amen. J'ai vu les chenilles. Donc elle a mis à table. Après, elle me dit, moi je me sers. Elle dit, Rebo Saka. Elle dit, ici là, je ne sais pas par où je vais commencer. J'ai pris le poisson, j'ai pris les chenilles, j'ai pris la mangue qu'on avait préparée comme ça là. J'ai mis, j'ai commencé à manger. J'ai dit, si je mâche, ça ne pourra pas. Je vais seulement avaler. Mais après, tu ne peux pas comprendre la relation qui s'est passé là entre cette famille et moi. Ça veut dire que même si c'est à minuit, elles avaient foi que Dieu peut faire quelque chose. Elles pouvaient m'appeler. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Mais c'est pas toi, Thierry. Ah, mais vous savez, moi, je ne mange pas. Oh, Seigneur. Oh. Ah, oui, de moi-même. My God. Mon frère, là, tu es en train de faire fuir les âmes de l'église. Alléluia. C'est ça, la relation. C'est pour ça, les disciples, remarquez dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient tous les jours ensemble. Ils perseveraient dans la communion fraternelle, dans la faction du pain. Ils mangeaient dans les maisons et dans l'église. On ne doit pas seulement se retrouver ici, se retrouver dans les maisons. Se connaître, s'aimer, se soutenir. Et je parle à quelqu'un. Intéresse-toi à la vie des autres. Il y a des frères. Hier encore, un frère qui m'a parlé pendant qu'on roulait, il m'a donné quelque chose, quoi. Peut-être moi, je voyais ça. Mais lui, il a encore vu quelque chose. Il dit, le frère là, il ne peut pas te demander quelque chose. Même quand il commence à mourir de faim, il ne te demandera jamais. Mais le fait d'entrer dans sa vie, de développer une relation avec le frère, moi je comprends quand il dit, mon gars, c'est bon? Oui, pasteur. Oui, c'est bon. Moi j'ai dit à compris, non mon gars, là tu ne peux pas mentir. Même s'il ne faut pas prophétiser, je ne vais pas prophétiser, mais je sais que ça ne va pas. Vous voyez? Et pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas dit, oh bonjour frère, bonjour ma soeur. On est passé. Non. On a pris un temps. Stop. S'intéresser. Créer une relation. Et enfin, on a manifesté l'amour. Et ça, si on le fait avec les nouvelles âmes, vous remarquerez, ces nouvelles personnes vont aller chercher d'autres. Ils diront, j'ai trouvé une famille là où il y a la paix, là où il y a la joie. On va leur donner le goût d'aller évangéliser, de continuer encore de gagner les âmes à Christ. Mais s'ils viennent, ils ne voient pas ça. Parce que dans les familles, elles sont blessées, elles sont critiquées, elles sont rejetées, elles sont même méprisées. Même si c'est la sorcière, on va t'aimer, on va chasser la sorcellerie. Alléluia. Pour finir, prendre soin d'une nouvelle âme, c'est enseigner la parole de Dieu. C'est vrai qu'au premier niveau, nous avons dit tout le monde doit enseigner. Parce que Jésus a dit quoi? Tout ce que il dit, allez faire de toutes les nations, enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Donc là où tu es appelé. C'est la raison pour laquelle N1 est obligatoire. Dis avec moi, N1 est obligatoire. Dis, pasteur, N1 est obligatoire. Non, c'est obligatoire. Parce que le fait que c'est obligatoire, ça va t'aider un jour d'enseigner aussi de nouvelles personnes. Et je parle à quelqu'un. Deux, quand une nouvelle âme vient à l'église, il faut lui saturer de la parole de Dieu. Il faut l'aider à écouter la parole de Dieu. Tu peux acheter une clé USB, viens voir le frère Patrick, remplis ça de prédications d'abord de la maison. Pas d'abord, tu commences une nouvelle âme. Oh non, tu vois d'abord le pasteur prophétesse ou qui. Non, mon gars, d'abord, tu l'inculques ça ici d'abord. Tu lui dis, je te donne les clés. Si tu veux des vidéos, viens, on va te donner les vidéos. Tu écoutes ce que le pasteur prêche. En fait, c'est quoi? Quand tu écoutes ce que le pasteur prêche, tu es en train de faire une transversion parce que tu travailles sous l'onction de quelqu'un, mais tu es en train de permettre que l'onction de la personne vienne demeurer dans la vie. C'est-à-dire que tu déposes le dépôt. Je t'expliquerai ça plus tard. Donc, la personne écoute les enseignements de la maison. Après, tu l'aides. S'il faut payer son argent, tu lui payes le transport qui vient faire le coup de N1. Achète lui-même son cahier de N1 qui fait 2000 seulement.
et rien. Tu vas acheter les cartes de crédit, tu achètes des habits qui coûtent 50 000, 100 000, les vrais cheveux, faux cheveux, ça tu as l'argent. Pour un cahier de livres de 2 000, on n'en a pas l'argent. Non, c'est pour ton âme. Amen. Là tu dis pas amen. Achète, accompagne la personne. Et pas seulement ça. Tu as amené une nouvelle âme. Le plus beau cadeau que tu peux lui donner, c'est la Bible. Va au marché. Fais la caisse. Ça n'existe même plus la caisse. À l'époque, on nous apprenait à faire la caisse. Donc, sous le lit, on avait souvent des petites caisses comme ça. On venait mettre 10 francs, 500. Et après, à la fin du mois, tu ouvres, tu peux te retrouver 15 000. Mais 15 000, c'est beaucoup. Tu peux acheter même 4 Bibles. Tu offres à la nouvelle âme. Elle va être impactée par ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et après, tu peux maintenant lui dire, bah, quand tu sens qu'il commence à grandir, bah, à part le pasteur, on a aussi les oncles, l'oncle Roland Elenga, Roland Loemba, tu peux le suivre, Roland Elenga, bah, tu peux suivre le pasteur Cyr, tu peux aussi suivre le pasteur Roland, le pasteur Ivan Castanou, tu peux suivre le pasteur Marcelo. Tu lui proposes maintenant les autres là après, mais les autres là, ce sont les tontons ou les tatas que ton papa t'as dit. Parce que toi, tu penses. Sans ça, tu amènes dans l'église le désordre. C'est alors la personne va commencer à grandir dans la foi et tu auras accompli ta mission. Et cette personne, quand tu vas arriver à la maturité, pourra gagner une autre personne. Alors, moi, ma question ce matin, pose-toi une question. As-tu déjà gagné combien de personnes que tu as menées à la maturité? Si zéro, il est temps d'avoir le cœur d'un berger et que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. On va se lever pour la prière. Nous allons demander à Dieu la force d'être des bons bergers. Que Dieu reponde dans nos cœurs la grâce d'être des bons bergers. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions, prions.